Vas-y, bro. Yassipi. Isma, ne t'en va pas, frérot. Tu sais que j'ai deux communautés séparées. J'ai la communauté YouTube et la communauté Instagram. Oui. Sur YouTube, j'ai 600 000. Sur Insta, j'ai presque 500 000. Donc, il y a un trou de 150 000 quelque part qui ne sont pas au courant que j'ai commandé ma nouvelle voiture, frérot. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 exactement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait sur Instagram. On va le dire sur YouTube. Sur YouTube aussi, oui. Nouvelle commande imprévue, mais écoute, pourquoi pas. C'est vrai que c'était imprévu, mais en fait, ça a commencé quand Riyad m'a parlé de la voiture. J'ai commencé à dire « Ah, c'est de la merde !» Mais quand il m'a montré la photo, j'ai commencé à bégayer. Comme d'hab. Elle est tellement Elle est vraiment jolie. Donc, on vous donne juste un petit indice, les amis. Plus de 500 chevaux d'origine sur les roues arrière. Et Isma va aller bientôt la chercher, frérot. Chez la famille. Chez la famille. Et donc, techniquement, d'ici 10 jours, on vous dévoilera ce que c'est. Maximum. Maxime. Je t'ai promis. Tu m'as promis, mon frérot. Merci à toi, mon petit Isma. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Ah bah, avec grand plaisir. Comment on dit 10 jours en turc ? Ongun. Ongun, frérot. Ongun. Là, c'est une gune, frérot. Faut vite se dépêcher. Non, ongun. Pas une. Là, on va filmer ça. Elle est très belle. C'est un désastre. C'est un truc de ouf. C'est monstrueux. C'est un monstre. Merci d'ailleurs à toi, Riri, de nous avoir ramené. Cette une voiture. Comme d'habitude pour pas changer. Bah en fait Riri il me ramène que des trucs de ouf. Soit les mecs qui me ramènent ils sont complètement ouf, soit il me ramène lui des voitures de ouf. C'est toi qui va conduire ça frérot? Ouais. C'est qu'il pleut, il pleuviote dehors. Hein. Un petit peu. C'est pas grave. Faites attention. Non mais c'est votre fermeur. Putain, il se met le papa de tous frérot. C'est notre daron frérot. T'inquiète pas, c'est toi qui dis ça frérot alors que tu conduis comme un arracheur de dents. Moi, c'est pas moi qui va y en essayer avec vous. Ouais. Vas-y, oh, non. Un jour, frérot, Isma, quand il m'a fait. Corrado vert. Il m'a fait la Corrado, frérot. Je te jure, pour moi, Isma, je pensais que c'était quelqu'un de calme, détendu, tu vois. Frérot, il a commencé à accélérer là-bas dans la zone. Il était possédé, frérot. Il a le pied lourd, Isma, frérot. Ouais. Isma, vraiment, c'est un truc de. Bon. On est devant quoi là, mon Riyad? M5 F10. Ouais. Préparé. Importation de Abu Dhabi. C'est beau. C'est beau. Stage 2. Oui. À peu près 720 chevaux sur les roues arrière. Et t'es content de conduire ça là ou pas? Est-ce qu'on va ça? Alors l'extérieur, à part les cales, m'a l'air bien d'origine. L'extérieur est d'origine. Ouais, l'extérieur est d'origine. C'est une quelle année alors du coup celle-ci? 2013. 2013, d'accord. C'est ouf comment BM ils gardent toujours leur même délire en fait. Même ligne de conduite, toujours. Toujours, c'est ouf. Alors d'extérieur, on voit la plaque derrière, on s'en fout. Nick. Non, Nick. Parce qu'elle va passer en IMAT française. Nick ZB. Elle va passer en IMAT française, du coup, c'est pas grave. Ok. Bah écoute, ce qui est ouf, c'est que donc d'extérieur, elle a l'air tout à fait honorable et normale et ce que vous voulez. Mais alors, ouais, si ça fait 700 bourrins, frérot. C'est que ça marche bien. Stage 2 à la Denpipe. Ouais. Très RKN. Oui. Suspension courte. D'accord. Jamais vu une voiture aussi courte. Bah, généralement, les configurations du Moyen-Orient, comme ça, c'est vrai qu'elles viennent full. Mmh. Tu vois? C'est ce qui est cool, là. Que les objets dans le miroir ne reflètent pas la réalité. C'est ça. Il faut toujours faire attention. Dit Riyad frérot alors qu'on s'apprête voilà quoi. Riyad frérot toujours la voix de la raison. Donc elle est dans une belle config hein, les amis. Donc c'est pas vraiment un gris en fait. C'est un gris mais malheureusement à la caméra ça n'arrive pas à capter. Il y a certains reflets qui sont un peu bleutés, jaunes, etc. Et une espèce de nacre bizarre frérot. Ouais, c'est super beau. Qui est d'ailleurs très très joli. Avec l'intérieur qui est rougeâtre. Comme cela. Absolument fan de l'M5, j'en ai vraiment pas fait beaucoup sur ma chaîne. Donc c'est vraiment un plaisir. Tu sais que ça sent encore le oud des Saouds là-dedans. Il y a la chaleur de là-bas. Ouais, ça sent le oud. En fait, petit cours d'histoire. Hein, en Arabie Saoudite et les pays du Golfe et le Moyen-Orient, les parfums qu'on va mettre sur nous, c'est pas tu vas chez Sephora, frérot, tu te parfumes avec du Jean-Paul Gaultier. Non. C'est vraiment des parfums qui sont faits sur mesure à l'huile de oud. C'est super lourd en fait.
c'est moi je mets ça, j'ai une migraine. Et tellement en fait là-bas ils se parfument avec parce que c'est un mode de vie, que les voitures, quand elles reviennent de là-bas, même 2, 3, 4 mois après, ça sent encore. Parce que généralement on peut mettre des bois, du bois de oud, on les met là-dedans en fait. On les met dans, les, dans la clim. Et là si vous regardez, vous voyez, bah tu vois, il y a des traces de bois de oud là-dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sent encore. Est-ce que je t'ai appris quelque chose frérot ou tu t'en fous? Grave, ouais. Mais ça sent bon, c'est agréable, j'aime bien. Moi je déteste. Ah ouais, ça me tape bien. Le crâne, frérot. Ça me tape le crâne de ouf. Et au niveau de l'intérieur. Ouais, je pense qu'on va se marrer. Je pense qu'on va bien s'amuser, frérot. Regarde, même des écrans à l'arrière, je sais même pas que cette option existait. Là, tout est d'origine, là. Enfin, tout est. Ouais. Le cuir est tendu et tout, non, franchement. 17h21 sur France Bleu Paris. Merde, c'est pire, c'est pire. Elle a le soft close. Soft close. C'est beau. C'est très beau. Combien elle l'a payé, c'est pas indiscret, frérot, tu sais pas? Je crois qu'il l'a payé dans les 40. 40? C'est pas très cher pour une M5, mais vu que c'est n'importe, après il y a Malus, carte grise. Ouais, il va tous manger quoi. Tout ce qui va avec. Bon bah vas-y. Mais il a une voiture full. Oui, elle est full de chez full. Tu peux nous ouvrir le capot, mon frérot, s'il te plaît? Ça va être marrant. Je sais pas, il reste un peu de sable. Il y a un peu de sable, frérot. Mais oui, je pense que ça va être marrant. Ça va être bien con. Okay. On est parti, frérot? Ouais, c'est parti. J'enlève la plaque à l'avant? Ouais, c'est ouf. En fait les amis, tellement il fait chaud là-bas, tellement ça tape, regardez, le cuir peut se mettre à gondoler. Bon ça c'est rien, faut juste un sellier, il le retend, c'est rien. Mon frérot, je l'ai laissé tourner avant que tu arrives. Oui, parce que Riyad a la mauvaise réputation de taper dans les voitures à froid. Après on va dire ouais, ça chauffe pas les pièces, ça tape à froid, en plus c'est pas la sienne. Frérot, la voiture vient d'Abu Dhabi, elle s'est fait tourner par tous les Saouds là-bas. Et je te jure qu'elle est en train de dire oh putain, Riri, il est déjà en pays. Ça, frérot, on te laisse ça. Tu crois que tu fais un carnage avec? Bah, on va voir. Bon, merci d'être venu. Donc là, on va sur route fermée. Voilà, donc là, en fait, à chaque fois qu'on fait un tournage hein, chez Riri, on ferme les routes. Hein. On a des gars avec les Toki. Bon, là, mon Toki, il est là. Hein. Vous le voyez pas, il est là. Ouais, c'est fermé. Ouais, c'est bon, on arrive. C'est voilà. Là, on laisse passer les derniers figurants. Voilà. Tu vois, et puis là, on va accéder à notre route fermée. Voilà. Bien évidemment. Bien évidemment. On a de la chance, il fait sec. Alors qu'il y a 2 minutes, il pleuvait, frérot. Ça peut se conduire en mode col, t'as vu ça? Ah oui, ça se conduit tranquille. Mais tu connais nos abonnés maintenant, frérot, tranquille, c'est pas pour eux en fait. C'est peut-être pas pour nous non plus, tu vois. On l'a bien compris. Ça, c'est confortable. Vas-y, Hermi, frérot. Hermi! Yesipi, yesipi. Putain, comment elle marche, cette salope! Ouais, elle a mis un petit coup. Ouais, il a un petit coup, il a un petit pétard quoi. Ça tient pas. Non, bah non. Ça tient pas. T'as un petit Ibiza mazout qui fume devant. Ça c'est le frérot. Un petit Ibiza mazout qui fume là-bas. Ouais. Oh là là, frérot. Elle marche hein. T'as un petit Ibiza du Célien. J'ai envie qu'il nous étouffe avec sa fumée. On va se retrouver à Abu Dhabi en 2 minutes. Ça se voit là, stage 2. Un petit Cupra, frérot. Un petit Cupra qui fumote, frérot. C'est bon.
C'est beau. C'est beau. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ah frérot. Ça gueule bien, ouais. Là, t'es en quoi? T'as modé quoi, là? Là, j'ai mis mode sport, c'est tout. Là, on a quoi? Suspension sport. NX, il désactive tout, non? Sport plus, sport plus, sport plus. Bon, la voiture, c'est un ami à moi, il s'appelle Guillaume. 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 Une voiture à 700 chevaux, fallait pas acheter une voiture. Smahli Guillaume. Guigui, frérot. Tu montes sur la voiture. Ouais, 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 là, là. Parce peut-être que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait autant de monde comme ça, palette, on ne fait pas les débiles, tu vois. Palette, on va voir. Oui, 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 oui. Bordel. Putain, c'est... Ouais, il va bien rigoler, je pense. Ouais, bien sûr, il vient de la voir. Ouais, ouais, il y a même pas une semaine. Il va bien rigoler. Hein. Je vais la mettre dedans. Non, mais je me tire en fait. Ça marche. Bah oui, il y a 700 chevaux, frérot, tu croyais quoi? Oui. Ah putain, frérot. Il va faire des motifs dessus en plus. Il va refaire des trucs dessus? Ouais, il m'a dit ouais. Je vais faire des trucs. Je serais bien curieux de la refilmer avec les motifs. Ah bah avec plaisir. En fait, elle patine trop. Elle patine tout le temps, en fait. C'est inexploitable. C'est vraiment inexploitable. C'est inexploitable, frérot. Putain, ça gueule en plus, hein. Attends, attends, juste attends, attends, arrête-toi, frérot, un peu. Putain, il est où le SP? C'est ça. Oh putain. MDM. C'est bon? Vas-y. Attends, non! Non, t'as des cures. Vas-y, bro! Yes, Ipi! Yes, Ipi! Ouais, mais c'est toi, frère, t'as pu sur. On lui a laissé tous les plumes là-bas, t'as vu la fumée? Guillaume, c'est cadeau, frérot. Franchement, je pense qu'il faut qu'on arrête, toi et moi, de faire des vidéos ensemble parce qu'on s'engraine l'un l'autre, c'est ridicule. Non, vraiment, faut que t'arrêtes, frérot. Oh, regarde, putain. Lui, il a dit, ouais. Ah, frérot, là, frérot, là. Frérot, ça, t'as vu comment ça burn? Oh, c'est inexploitable, Guillaume, je sais pas ce que t'as. Guillaume, désolé, frère, pour tes pneus, hein, mais bon. Malish, comme on dit. Malish, t'es déjà mort, Guillaume. Oh, putain, il y a de la fumée partout, regarde. Ouais, on va la remettre en confort, elle a pas aimé. Il y a de la fumée partout. Bon, on s'est retrouvé à Abu Dhabi en 2 secondes. Ah oh, putain, c'était un truc de ouf, c'était trop marrant. Tu sais que c'est la première fois que je désactive le SP, enfin plus ou moins dans une caisse. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une telle différence. Bah réveille-toi, t'es un malade. Ah ouais. De toute façon, la première chose que Isma il fait quand il monte dans une voiture, c'est ESB off, non. Je sais pas qu'on le refasse, Riri. Arrête. C'est pas bien. C'est pas la mine. Ça aurait été la mienne. Ah non, c'est pas bien. Mais voilà. C'était ton grand pote. Non, Guillaume, il m'a dit, tu peux te faire un petit plaisir. Bon, bah voilà. C'est la famille. On s'est fait un petit plaisir. Mais, on va pas abuser. Frérot, si celle-là, elle était au garage, on aurait fait la guerre avec. Ah, frérot. Isma, je suis désolé, si on la rentre en stock, celle-là, un jour. Paris 17h30, merci d'avoir. Non, c'est une belle question. Mais ça, ouais, elle est chômée. Ça peut se conduire en mode cool. Mais on s'en fout, frérot, du mode cool, tu comprends pas. On va où là? Frérot, on va la laisser refroidir un petit peu. Non, je rigole. Non, bah, on va rentrer. Frérot. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille où? On a pas fait. Je voulais chercher un petit tunnel, mais il n'y a pas. Putain, le burn qu'on a lâché là, il était arrogant. Il était beau. Il était un peu beau. Non mais c'est vrai que c'est une voiture que évidemment comme dit Riyad vous pouvez la conduire au calme comme là au KLM frérot et c'est une voiture vous l'avez bien vu qui mérite tu vois d'être exploitée correctement quoi.
Parce que là, on l'a vraiment exploité. Comme je l'ai dit, elle vient d'Abu Dhabi, frérot. Je pense que là, elle dit, lui, il est gentil. Ah bah frérot, il est Riri, il est gentil, hein, comparé à ce que Abdul Samad, il a dû faire avec, frérot. Frérot, à 200 km/h sur l'autoroute, il a fait des donuts. Non, mais bon. Et Guillaume, il a Instagram ou ouais, il préfère rester... On va lui donner, on va donner l'Instagram de Guillaume, il me l'a envoyé. Ouais, c'est quoi? Comme ça, vous allez... je vais te montrer tout à l'heure. Comme ça, vous allez suivre Guillaume en train de faire des burns ici avec la bassine. Vas-y, ça marche. Guillaume, il avait une M3 E90 avant. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est beau. Ouais, ouais, c'est beau. C'est un pro BM. Ah, mais de toute façon, là, il a acheté une vraie caisse, hein. Le ouais, M5 fou comme là, ça, là, c'est... Non, c'est insolent. Là, frérot, le M5 fou comme ça, là, c'est insolent. Mais ouais, en tout cas, les amis, on va vous donner la, l'Insta. Donc, le mien, j'ai encore de la gomme dans la gorge. Le mien s'affiche en dessous maintenant. Donc, si vous voulez aller m'ajouter, frérot, smahli. L'Instagram de Riri s'affiche maintenant. C'est beau. C'est pas très beau. Quand même, Ismaël, frérot. Isma. Isma quand même. Quand même, on filme quand même chez lui. Son Instagram s'affiche en dessous maintenant. Allez faire un petit bisou et un petit cœur à Ismaël, frérot. C'est pas bien, frérot. Ismaël, c'est notre daron, frérot. Isma, c'est la famille. Et puis l'insta de Guillaume, frérot, tu peux me le donner comme ça. L'insta de comme ça on montre ça, frérot. Et... On va donner ça tout de suite. L'odeur qu'il y a dans la voiture là, c'est arrogant. L'insta de Guigui, donc c'est. Gims, G-U-I-M-S 958. Si vous voulez suivre les aventures de cet M5, ça sera chez lui. Voilà, avec plaisir la famille. Donc mettez un petit j'aime sur la vidéo si vous avez kiffé, un petit commentaire aussi. Et puis si vous vous abonnez, faites-le avec de bon cœur. Merci en tout cas la famille. Merci à toi mon Riri. Vas-y la famille, bisous. Qu'est-ce qui m'a fait rire, frère, t'es vraiment malade.